Bonsoir à tous, rebonsoir à tous. Sid avec vous, Sid Trading. Voilà, là je vais vous présenter l'analyse détaillée sur Fantôme. Ok, un petit suivi sur Fantôme. Donc Fantôme a fait une super performance. D'accord, magnifique. Ok, j'avais pris moi bien sûr le bail. J'avais pas assez mis, je trouve. J'aurais dû mettre plus. Mais bon, c'est pas grave. Mais quand même, le profit est là. En ce qui concerne, donc l'analyse était pratiquement parfaite. Hein. J'ai rien à dire. Après réflexion, mon analyse était pratiquement au millimètre, très très bien faite. Je suis content de cette analyse. Donc, je me lance un peu des fleurs. Donc là. Donc, on va regarder en daily d'abord. Je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer qu'est-ce qui se passe sur Fantôme. Donc, Fantôme, ici, je l'ai mis en logarithmique pour vous voyez la partie basse qui est un peu écrasée, celle-ci. Donc, cette partie basse où le prix a démarré ici en juin 2019. J'ai par contre le graphe Binance. C'est possible que le graphe soit un peu plus loin, mais pour Binance, il a été listé sur Binance en juin 2019. Chute après listing. Ici, de 0,04 jusqu'à 0,017. Donc ici. Ce plus bas a été effectué. Okay, chute Covid. Comme d'habitude, tous les actifs ont dévissé vers le bas. À partir de mars 2020, quand vous achetez n'importe quel actif, en mars 2020, n'importe quel actif sur n'importe quelle structure, donc ça peut être pétrole, gold, indice, tout ça, et bah, tout a pump à partir de mars 2020. Donc ceux qui ont mis un gros bag ici, bah, forcément en mars 2020, n'importe quel actif acheté était parti vers le haut. C'est pour ça que je vous ai dit, les grosses institutions et l'élite s'est bien mis d'accord et eux, ils ont préparé leur cash pour pouvoir rentrer en mars 2020 sur n'importe quoi, action, crypto, indice, gold, pétrole, tout, après ensuite mars 2020 et remonter vers le haut. Donc vous me dites que tout ça n'est pas calculé, tout ça n'est pas fait? Moi, j'y crois pas trop. D'accord? Moi, je pense que tout ça est bien préparé par les grandes institutions. C'est possible en dévoilant tout ça que peut-être ma chaîne YouTube va sauter. D'accord? Mais je vous le dévoile tant que je suis de mon vivant et je suis avec vous. C'est ma constatation personnelle, bien sûr. C'est mon avis perso. Ok, donc, parce que eux, je pense qu'ils se mettent d'accord pour faire de gros profits. Tous ensemble, ils se partagent le fromage. Et nous, on est là. Et il faut essayer de trouver les bons setups pour rentrer avec eux. D'accord? Et être intelligent et pouvoir rentrer avec eux. Au même moment pour faire aussi des profits comme ils en font eux énormément car les plus gros profits que vous pouvez faire sont sur les marchés financiers bien sûr ce n'est pas en travaillant 35 heures eux ils appuient juste sur des boutons et ils font des profits donc il faut être intelligent et essayer de faire comme eux d'accord parce qu'ils vous divulgueront jamais tout ça sinon le trading serait enseigné à l'école pour votre information mais vu que le trading n'est pas enseigné à l'école sinon je pourrais former n'importe quel gamin de 14 ans, à partir de 14 ans, à faire du trading. Mais ça, il ne sera jamais véhiculé dans l'école et tout ça. Car on veut plutôt des soldats qu'autre chose. Des bons soldats qui vont travailler 35 heures toute leur vie et fructifier le patrimoine des grosses institutions et des gros. Ok? Car on a besoin de soldats dans notre société. Faut pas que tout le monde soit découvre ça. Voilà sur ce petit aparté rapide pour vous expliquer un petit peu comment marche notre monde de maintenant. Donc là sur Fantôme, nous avons ici une vague 1, une vague 2 corrective sur la partie basse que j'ai mis en logarithmique que je vous montre. Donc une hausse ici à partir de mars 2020 avec une correction qui est tout à fait normale, donc une hausse rapide, correction derrière. Ensuite nous sommes partis à partir de octobre 2020 sur une hausse de vague 3. D'accord, qui a été pas mal également. Ok, je vous la montre. Donc ici, si on prend ici, on va dire grosso modo, hein, cette hausse était de fois 75. Donc ceux qui ont pris, par exemple, Fantôme, on fait 1 fois 70. Allez, 1 fois 70 de octobre 2020, novembre 2020 ou décembre 2020 jusqu'en février 2021, imaginez, retour des vacances, les gros, ils ont fait ski,
Ils ont fait la fête tout le mois de décembre, janvier, début janvier. Hop, ils se sont dit, ah, il y a du fantôme là, intéressant. Allez, on va rentrer gros sur fantôme. Et bam, derrière, ils font un grosse plus-value de x 60. C'est pour ça que je vous ai dit, les gros setups se font après les fêtes de décembre et Noël. Je vous donne la formation. Un x 60 après les fêtes de fin d'année. Car après, en janvier, on est prêt, on a des bagues, on a de l'argent. Les gros, ils ont de l'argent, les baleines rentrent sur les actifs. Donc, il faut rentrer avec eux. Ok, je vous donne un petit secret personnel. Je vous l'ai déjà présenté sur d'autres vidéos, sur une vidéo où je vous ai expliqué. Et si on regarde bien, viens ici, regardez, on est en septembre ici. Donc en septembre, regardez, il y a toujours une petite correction ici, jusqu'en fin d'année des fois. Donc ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive que ici, si l'été a été un peu haussier, et ben vous aurez une correction au mois de septembre jusqu'à octobre. Octobre, no, début novembre, ça commence à repartir, à montrer d'ici. Donc faites attention au mois de fin septembre, début octobre, le mois de septembre, octobre qui va venir. Je vous le dis, c'est tout, mais après, on va voir comment ça se passe. Je vois bien un petit fin septembre un peu mouvementé. En ce qui concerne fantôme, revenons à fantôme. Donc on a fait une hausse, une correction ici, une hausse ici et une correction là. D'accord? Tout ça correspond à la vague 3 et la correction vague 4, qui a été validée en 3 temps. Donc A, B, C. D'accord? En 3 temps, ABC correctif. On peut déceler ici aussi un A, B, C ici. D'accord? Ou un grand A, une B et une C. Exemple, regardez le A ici, il démarre de là et le B est au-dessus du A. Donc c'est pour ça que je vous dis que le BTC, vous avez cette possibilité aussi qu'une baisse qui est descendue aux 28 000 dollars, une hausse qui va vous faire un ATH pour piéger tout le monde. D'accord? Ça va piéger tout le monde. Et une chute derrière plus bas que les 28 000 dollars. Regardez un exemple. Je vous montre l'exemple. D'accord? Ça, c'est très piégeux si on n'est pas préparé. Mais quand on connaît ici, quand on est formé, on comprend que ça, c'est un BC, que ça, c'est un AR, que ça, c'est un ST. Après le ST, eh ben, il y a une chute pour faire un saut. Regardez. C'est clair et net. C'est propre. Comme il faut. Après un saut, on a une hausse pour aller faire un UT et un UTAD qui sont les doubles sommets d'une distribution. Bien sûr, sur les cryptos, vous avez des UT et des UTAD qui font des gros excès. OK? Qui font des gros excès des fois. Soit ils s'arrêtent ici, un tout petit peu ici, soit ils vont faire un gros excès. J'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance. D'accord? Par rapport à la hausse et à la baisse. D'accord? Le plus haut ici, le plus bas ici. Ça m'a donné le 1,618 à ce niveau-là. Vous voyez le 1,618, nombre d'or. Et nous sommes arrivés directement vers le 1,618. Pourquoi je vous dis que c'est mathématique? D'accord? C'est mathématique. Donc nous sommes arrivés, regardez, le 1,618 là, et le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a dépassé un peu. Mais il a créé des mèches, des mèches, des mèches, mais il est sur le 1,618, voire un tout petit peu en dessous. D'accord? Donc là, on a créé, comment on appelle ça? On appelle ça l'UT. Donc ma team comprendra parce qu'eux, ils sont formés. Ils comprendraient. Donc là, l'UT. Ensuite, l'UT, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc logiquement, on doit avoir un double sommet. Mais un double sommet, comme je vous ai dit, à chaque fois que le prix monte à un endroit, vous avez toujours une deuxième chance si vous êtes. D'accord? C'est comme ça le trading. Trading, on a toujours une deuxième chance. Cela veut dire qu'on a une intention de marché baissière qui nous donne un signal, intention de marché baissière, qui nous donne une information. C'est pour ça que je vous dis, étudiez les bougies japonaises et arrêtez avec vos indicateurs à 2,50 balles. D'accord? Les bougies japonaises vous donnent toutes les informations. Le prix vous donne toutes les informations. Si vous tradez comme ça, vous réussirez. Si vous utilisez indicateurs et tout le tralala, vous n'irez pas loin. Ok, donc pensez à trader ici. Le prix, c'est un conseil si vous voulez vous améliorer dans le monde du trading. Comprendre ce qui se passe. Donc là, regardez, hop, ici, on va avoir ici une descente et après un nouvel ATH et après une descente. C'est comme ça que ça se passe. Après une distribution. Ok, j'ai mis où mon UT? À mon UTAD. Ok, mon UTAD, je l'ai mis là. Donc je l'ai mis ici parce que j'ai le 2,618 qui est là. Donc vu qu'il m'a fait un gros excès ici, c'est possible sur le deuxième ATH, soit il va un tout petit peu plus haut que là, soit il va chercher directement le 2,618. Donc je le garde en mémoire, mon 2,618 qui est à 2,62. Ok, et là on est arrivé à 2,68 ici, voire un tout petit peu plus, on est parti chercher 1,93 sur la mèche qui est là. Ok, voilà pour
Fantôme. Ensuite, je vais revenir ici, je vais recalibrer mon graphique. Donc, si on a une ici, un retracement ici, donc après une montée vertigineuse, regardez, je vous ai mis ici, il a fait 1 x 12, d'accord? À partir d'ici, à partir de juillet 2021, 22 juillet, il a fait 1 x 12. Vous vous rappelez Cardano aussi, je vous l'ai montré. Donc, juillet 2021, 22 juillet, donc on a fait ici, en très peu de temps, une hausse vertigineuse de pratiquement, donc, x 12, 1200%. Donc 1000 euros ici sont transformés ici en 12 000 euros pour votre information. Vous voyez qu'en juillet 2020 et là c'était en septembre, d'accord, en même pas ici, regardez, en même pas 2 mois, vous avez fait 1 x 12. Quel est sur les marchés financiers des actifs qui font des x 12 sur les marchés centralisés, donc Dow Jones, Gold, ça fait pas du x 12. Sur des actions, vous n'avez jamais du x12, c'est très rare. D'accord? Donc, c'est pour ça que le marché des crypto-monnaies fait un peu peur au marché normal. Car si l'argent part sur les cryptos, donc forcément, il y en aura moins sur le marché des actions, des indices, du gold et du pétrole. D'accord? Bien sûr, ça va mettre du temps, mais si on voit de tels profits, forcément, les gros portefeuilles vont commencer à tenter à emmener leur argent comme ils le font maintenant de plus en plus sur ces marchés crypto. Donc c'est pour ça qu'attention, des régulations à mon avis vont se mettre en place pour freiner cette évolution, sinon tout le marché action va prendre un gros coup dans la tête. Et qui dit marché action va prendre un gros coup, cela veut dire que indice boursier américain, français, allemand, tout ça, et ben va dévisser vers le bas. Et c'est ce qui se projette prochainement. Je vous expliquerai ça sur une autre vidéo. Je vous l'ai déjà expliqué sur une vidéo. Mais attendez-vous à une année 2021, voire début 2022, très, 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 très volatile, avec de belles petites surprises. D'accord? Moi, je suis préparé en tout cas. Donc là, nous allons subir ici une correction et ensuite un nouvel ATH sur Fantôme. Et ensuite, nous allons chercher. Vous allez me dire, tu es un peu dingue, c'est impossible. Eh bien, nous allons chercher le niveau en dessous de cette ligne jaune. Vous voyez cette ligne jaune? Donc, en dessous. Et là, ici, j'ai ce niveau-là déjà qu'on doit aller chercher. D'accord? Et principalement, ce niveau-là. OK? Ensuite, après avoir fait cette distribution, car quand le prix distribue, on va dire, il vous distribue de l'argent, donc forcément, des gens vont encaisser leur position après une belle plus-value, par exemple ici, de x12. Donc forcément, si on n'encaisse pas une partie, ou pas forcément la totalité, ou une partie, eh ben, c'est que franchement, on joue avec le feu. D'accord? Donc là, par rapport, ici, je vais enlever le logarithmique. Clac. Donc regardez cette hausse vertigineuse. Parce que quand je mets le logarithmique, vous ne la voyez pas très bien. D'accord? Vous voyez que c'est petit. Mais quand j'enlève le logarithmique, regardez cette montée verticale. Est-ce que vous pensez que le prix va rester comme ça en haut? D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Montée rapide, revenir à la case départ, voire plus bas. Donc là, montée rapide, il y en aura forcément retour à la case départ, voire plus bas, ici. Et après, là, on a fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc, on va faire une chute en A, B, C. Et derrière, on va faire un nouveau cycle. Quand on aura fini la correction A, B, C, on partira sur un nouveau cycle de 5 vagues qui, bien sûr, ira normalement plus haut que celle-ci. Donc, ne ratez pas le wagon ici. Car à mon avis, sur Fantôme, je pense que ce sera la dernière occasion de choper du Fantôme pas cher. D'accord? Donc, préparez un peu d'USDT, même si vous mettez 1000 euros, 100 euros, 200 euros, peu importe, en fonction de votre capital. Mais attendez le bon niveau pour entrer. Donc le bon niveau, idéalement, ce serait là, dans cette zone-là. 0,027 dans cette zone-là, ou 0,04. Donc n'oubliez pas, ici, le 50%, il est là. Là, on est en full premium, full premium. Donc full premium, on fait quoi? On vend. Discount, on achète. On est à holder, on achète ici en discount. Donc le prix va chuter. Préparez-vous à prendre ici
Le fantôme dans une zone très intéressante, cette zone verte ici où il y a la flèche ou cette zone jaune. Allez, vous pouvez commencer à acheter sous cette zone. 0,15. Verte ici, 0,09. D'accord? Je vous le donne ici. D'accord? Ces niveaux-là. Donc ces niveaux-là, ici, sont intéressants. Voilà, sur ce, pour fantôme, on verra au fur et à mesure du temps ce qu'il donnera. Mais je vous donne la prédiction rapide du prix. Donc je vais voir bien une correction ici. Je vais analyser d'abord ce qui se passe. Il peut remonter encore un petit peu, hein. Et après, il fera ma zone discount, forcément. Ok, zone discount. Zone après, nouvelle à sommet ATH. Et après, bam, 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 on descendra jusqu'en bas. Bien sûr, ça va pas se faire en ligne droite, étape par étape. Ok? Sauf si on a une surprise au niveau de l'analyse. D'accord? Au niveau du fondamental, vu que les indices boursiers vont chuter et tout ça, donc c'est possible que cette chute-là, cette grosse correction-là sera provoquée sur tous les marchés financiers. OK? Le BTC, l'Ethereum, Dow Jones, Nasdaq, Gold, pétrole, sur tous les actifs. Comme il s'est passé en mars 2020. D'accord? Comme en mars 2020 où vous avez la chute de tout. OK? Donc attendez-vous à ce scénario-là. Car les gros, ils aiment bien faire chuter le prix rapidement pour après rentrer fort et ça remonte vite. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Eux, ils sont bien informés. Vous et nous, nous sommes mal informés. Maintenant, il va falloir apprendre à être bien informé par rapport à la lecture graphique et pas aux news, ce que vous voyez dans les à la télévision, BFM TV, tout ça, tac, 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 tac. Donc faites attention aux news. Sur ce, bis à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà pour Fantôme, régalez-vous. N'hésitez pas à liker, à partager au max. Ok, voilà. Vous avez également, comme je vous ai dit, le projet Zénith. Si vous voulez mettre un pied dedans, vous mettez 100 balles, 250 balles. Vous prenez une partie d'un hub et vous lancez la machine. Et vous laissez tourner. Vous accumulez du zénith et le nombre de hubs va diminuer. Donc faites attention. Il reste que, je crois, 90 000 machines. Donc ça vaut le coup de mettre un petit billet dedans, moi je vous le dis. Et laissez tourner ça. Un petit billet, bien sûr, que vous n'avez pas besoin. Ok, ne prenez pas de risque, ne faites pas all-in. D'accord? Mettez juste un pied dedans et laissez tourner la machine. Et après, vous verrez dans, parce que dans 5 ans ou dans 3 à 5 ans, ce que cela donnera. Ok, mais c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin et que vous pouvez investir dedans. Ok, mettez-vous pas, bien sûr, que ce n'est pas de l'argent que vous avez besoin. C'est juste un pied dedans. On met un pied dedans, on laisse tourner et on voit ce qui se passe sur le long terme. Comme ça, il n'y a pas de regret et au moins j'ai mis un pied dedans. D'accord? Sinon, si ça fonctionne, ça explose comme Binance ou comme le Bitcoin ou comme l'Ethereum, et ben si vous n'avez pas mis un pied dedans, et ben à un moment, vous aurez un petit regret. Au moins, Sid vous aura prévenu. Moi, je tente l'aventure et il y a des gens qui avec moi qui ont tenté l'aventure. Donc, on tente l'aventure et dans la vie est faite de risques. Si on risque pas intelligemment, bien sûr, toujours intelligemment, le risk reward, on met jamais all-in sur un projet. Même ici sur Fantôme, on met jamais all-in. On met toujours une partie. On répartit en pourcentage son capital par rapport à plusieurs actifs. Jamais tout dans le même actif. Ok, faites pas cette erreur-là. Sinon, vous serez emprisonné si l'actif ne décolle pas ou l'actif chute. Il faut arriver à rebondir. D'accord? Ok, voilà. Bisous à tous pour les conseils. Et bonne soirée à tous et bon week-end à vous. Bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.